Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message de ce mercredi 18 octobre 2023. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Avant de commencer, on va répéter trois fois ces trois phrases. Merci mes anges de me révéler ce que j'ai besoin de savoir. Merci mes anges de me révéler ce que j'ai besoin de savoir. Merci mes anges de me révéler ce que j'ai besoin de savoir. Merci mon cercle de lumière de me guider dans mon chemin de vie. Merci mon cercle de lumière de me guider dans mon chemin de vie. Merci mon cercle de lumière de me guider dans mon chemin de vie. Merci mes anges de me rappeler votre présence. Merci mes anges de me rappeler votre présence. Merci mes anges de me rappeler votre présence. Eh bien, pour aujourd'hui, j'ai pigé « Existe sans chercher à le prouver ». Et c'est une carte du premier chakra. Le premier chakra qu'on appelle le chakra racine, n'est-ce pas? Et il se trouve sous votre périnée. Et ce chakra établit la connexion avec la terre. Et il permet de nous enraciner en toute confiance, avec une reconnaissance des besoins fondamentaux comme la sécurité, n'est-ce pas? La chaleur, la nourriture, le foyer ou le travail. Il est vraiment essentiel à la circulation globale de l'énergie, car sur lui reposent tous les autres chakras, évidemment, puisque c'est le premier chakra. C'est le positionnement dans votre vie, Alors, lorsque ce chakra donc de la couleur rouge est bien aligné, pour les personnes qui ont ce chakra bien aligné, vous ressentez un lien profond à la terre, une force et une stabilité en vous. Vous savez que vous avez votre place ici-bas et vous investissez une grande confiance en la vie, persuadé de pouvoir recueillir d'elle tout ce dont vous avez besoin. Et vous vivez ainsi votre vie terrestre en pleine conscience et confiance, avec beaucoup de confiance. Vous êtes sur votre voie. Vous êtes stable, centré, équilibré, physiquement et psychiquement. Maintenant, si ce chakra est obstrué, si ce chakra n'est pas dans l'alignement des six autres chakras, vous avez pour certains d'entre vous un sentiment d'insécurité. Et il y en a même qui plongent dans des peurs, mais vraiment des grandes peurs, des grandes angoisses, et des angoisses multiples, n'est-ce pas? Vous êtes essentiellement préoccupé par vos besoins fondamentaux. Vous manquez de stabilité. Alors c'est le chakra de la base. Vos bases ne sont pas solides. Vous avez l'impression de perdre pied. Et vous êtes persuadé que la vie, s'acharne. S'acharne contre vous, en vous apportant son lot de difficultés. Alors, vous cherchez soit à compenser, n'est-ce pas? Pour certains d'entre vous, et vous compensez par peut-être de la nourriture, vous compensez peut-être par de l'agressivité, dans l'alcool. Soit vous déconnectez du monde,
de votre corps et de vos besoins, ainsi que de toute matérialité. Alors, il y a une solution, bien sûr. La solution, eh bien, vous placez, c'est vous placer au centre de votre vie, votre, avec une des majuscules, et ne plus vous contenter d'être en sa périphérie. Soyez dans le centre de votre vie et plus alentour de votre vie. Existe sans chercher à le prouver. Alors, vous comme moi, hein, n'est-ce pas? On a tous besoin d'exister et de trouver sa place ici sur Terre. Hein? Mets-toi plus peut-être qu'un autre. Pour toi, l'indifférence signifie néant. Alors, eh bien, tu t'agites, tu t'opposes, tu t'imposes, tu prends de la place, tu parles parfois fort, tu te fais remarquer, tu as peur de, eh bien, de n'être soudainement plus rien aux yeux d'autrui, aux yeux des autres. Tu sais, pour exister, tu n'as pas, ce n'est pas obligatoire de le prouver, n'est-ce pas? Nourris avec davantage de bienveillance le regard que tu te portes à toi-même. Même et surtout si tu te sens différent. On a l'impression que tu as besoin de considération, de témoignage des autres pour te prouver ton importance. Est-ce que c'est le cas? Alors encore une fois, nourris avec davantage le regard que tu portes à toi-même. Et même et surtout si tu te sens différent, apaise-toi, sois persuadé d'avoir ta place ici-bas, sans l'aval du regard des autres, n'est-ce pas? Découvre ta richesse parce que tu as une vraie richesse intérieure. Mais découvre-la et exploite-la le plus souvent possible. Existe, s'il te plaît, sans chercher l'approbation des autres. Sans prouver. Remets ce chakra dans l'alignement. Aie confiance en toi, vraiment. T'as une belle richesse intérieure. Eh bien, mets-la à profit. Nourris-la, cette belle richesse intérieure. Et ce n'est pas dans l'extravagance, dans ce que tu montres, que tu existes, n'est-ce pas? Tu peux très bien exister et que ça ne soit pas dans l'extravagance. Tu peux très bien exister sans prendre de la place sans t'imposer. Eh bien, c'est un très très beau message, n'est-ce pas? Vraiment, ça parlera à certains, ça parlera pas à d'autres. Je termine hein, avec ne plus avoir peur. Si j'ai peur d'agir, je pense à la satisfaction que je ressentirai lorsque tout sera fini. Lorsque le trac
nous inhibe, mieux vaut se projeter dans l'après, car il est délicieux, ce soulagement qui nous envahit lorsque l'épreuve est passée, et cela nous permet d'oublier le trac. Sur ce beau message, je vous dis à demain, je vous embrasse, passez une belle journée, prenez soin de vous. À demain.